y a tout au long des marchés de la France des gens qui passent devant mais qui n'achètent pas. Niveau de l'inflation, perte du pouvoir d'achat, de plus en plus souvent devant le buffet ils dansent. Et même s'ils vont acheter au discounter du coin, là aussi tout augmente, même le prix du pain. Au Champ Lidl, Leclerc et autres Intermarchés, quelles que soient les enseignes, y a tous les prix qui flambent, de plus en plus fauchés le matin au marché. Pas assez d'euros, mais ce serait pareil en francs. On se fait couillonner, toujours plus cher qu'avant. Dites-moi pas que vous aussi, il ne vous est pas arrivé, effaré par le prix, de prendre un article puis de le reposer. En ai-je vraiment besoin? Je verrai ça demain. Je réduis mon caddie, plus de bouquets de lavande, mais juste de quoi manger. Et par-dessus tout ça, au-dessus de la tête, réforme épée de Damoclès qui nous achèvera. Il parle de palmades et cependant des heures, à quai ou des malheurs, ils s'en servent de l'heure. Ils ont même le culot de faire parler Balkany. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir ce qu'ils pensent? Toujours plus de poudre aux yeux, la réforme des retraites, pour moi même à Kaby, pour nous bourrer l'esprit, pour nous faire oublier que pour eux le marché, c'est juste financier et pas alimentaire. On va les faire plier. Au Parlement, au Sénat, les du sort les lâcher. Le marché, il y a longtemps qu'ils n'ont pas dû y aller. Assistent au débat, suffisant bien perché. Ils nous prennent de haut. Ils parlent d'un index pour mieux cacher le majeur dressé contre nous. À quelle obscénité ils veulent nous la vendre. Remède panacée, mais stop, il y en a assez. On va remettre ça, et demain, dans la rue, on va leur faire comprendre qu'on en a plein, pardon, que nous, on n'en veut pas. T'entends les filles? T'entends les filles? Ça tombe bien, ça leur va bien. Hein. Bécou, il disait « Ah, la belle Poutine !»« Ah, la belle Poutine !» Bon, il ne faut pas en rajouter, ça suffit. À demain !